La véritable image du Sauveur, les yeux ouverts, semble avoir donc disparu au début du XVIIe siècle. Saint Angèle de Foligno disait que l'homme aime comme il voit, et cette disparition a dû avoir des conséquences dans le développement de la spiritualité occidentale. Le père Pfeiffer fait remarquer qu'à ce moment même, à Moscou, alors qu'en Occident cet art s'éteint, d'innombrables icônes représentant le visage du Christ et ressemblant à la Véronique romaine font leur apparition. Il met cela en relation avec l'immigration vers la Russie des artistes romains au chômage. L'authenticité de la relique, qui actuellement est conservée derrière 5 verrous et qui est protégée par les épaisses murailles du monumental pilier de la basilique Saint-Pierre, peut poser question. Sa merveilleuse force d'attraction a disparu. Elle ne fait plus accourir les foules comme au Moyen-Âge. Aucune photo utilisable n'existe d'elle, et elle ne peut être vue ni de près, ni sous un éclairage convenable, sans autorisation spéciale. Les rares personnes qui ont pu l'examiner de près n'y ont trouvé aucune trace de visage. On ne sait ce qui s'est passé. Le XVIe et le XVIIe siècle font partie des périodes les plus troublées de l'histoire de Rome, avec de nombreuses luttes entre familles rivales. L'ancien cadre, ayant abrité le voile jusqu'au début du XVIIe siècle, peut encore être admiré au musée du Vatican. Il est magnifiquement décoré. Sa taille est compatible avec les dimensions du voile de Manopello. Ses deux faces en cristal de roche permettaient de voir le visage des deux côtés tel un ostensoir. On peut voir qu'il a été brisé, d'une façon qui semble assez brutale pour un objet précieux dont on devait prendre grand soin. L'a-t-il été par négligence ou volontairement? L'insigne relique a-t-elle été volée? Il ne peut y avoir que des suppositions. Quoi qu'il en soit, il semble que l'image ait disparu de Rome vers 1608, date à laquelle la chapelle où elle était conservée, dans l'ancienne basilique constantinienne, a été détruite, c'est-à-dire juste avant sa translation dans son nouveau coffre-fort. De nombreuses ostensions avaient eu lieu à Rome au XVIe siècle. Par exemple, durant les années jubilaires de 1533, 1536, 1550, 1575, 1580, 1600. La dernière date de 1601. Aucun pape n'a parlé de cette disparition, alors qu'ils y tenaient comme à la prunelle de leurs yeux. Le vol a été camouflé, mais il semble qu'elle ait été activement recherchée. Un édit du 29 mai 1828 d'Urbain VIII demande, sous peine d'excommunication, que toutes les copies de la Véronique soient ramenées à Rome et détruites. S'il avait eu encore l'original en sa possession, il n'aurait pas fait rechercher aussi activement toutes les copies, même les plus mauvaises. Le père Pfeiffer a été le premier à déclarer en 1999 que l'image Acheropoïète connue et vénérée à Rome jusqu'au début du XVIIe siècle avait été retrouvée. Elle se trouvait à Manopello. La date de son arrivée un siècle plus tôt, en 1506, à Manopello, servirait simplement à brouiller les pistes en cas d'éventuelle investigation du pape.